Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Lynn. Donc j'étais un peu coincée sur le dernier puzzle du chapitre 8. Je l'ai fait en off et on va voir ça ensemble. Donc, allez, je vous refais la série. Je n'ai pas le temps pour ça. Je dois trouver l'orbe de Renard et retourner vite auprès de mon frère. J'espère qu'il va toujours bien. J'ai envie de pleurer. Et si j'arrive trop tard? Sniff, sniff. Non, ce n'est pas le moment de pleurer. Je dois continuer. Je n'ai jamais été aussi loin de chez moi. J'ai un petit rêve maintenant. Un jour, je veux voyager au-delà de mon village et voir le monde. Si je peux retourner à mon village, saine et sauve. Donc, du coup, ici, la première astuce, c'est de laisser le monstre vert ici. Et de mettre notre ami le feu follet ici. Comme ça, on va plus pouvoir se téléporter et on sera pas mal. Donc on va essayer de faire un truc pas trop mal pour pouvoir choper l'imitatrice. Et fusionner. Donc je vais faire simple, hein, je vais essayer de me positionner comme les indices. Donc là on a notre deuxième indice qui nous dit on a Lynn et les deux feux follets en haut et notre monstre en bas. Donc on va essayer de faire aller Lynn en haut. Ça c'est pas très compliqué. Et du coup notre deuxième feu follet. On le fait passer dans le téléporteur et on le remet ici. Donc vient l'étape après la plus compliquée. Je vous avouerai que je me suis arraché des cheveux dessus. Et du coup le troisième indice nous dit qu'il faut sortir le monstre. Le monstre vert. Et en fait toute l'astuce est là en fait. C'est qu'on va utiliser ce monstre pour bloquer le téléporteur. Pour que le monstre bleu puisse aller boulotter les feux follets comme il faut. Donc. On téléporte notre monstre vert. Je vais le mettre de côté. On récupère un feu follet qu'on vient boulotter ici et ensuite il faut voilà récupérer le deuxième feu follet et on a libéré le téléporteur. Donc on n'est pas sauvé pour autant hein. Il faut toujours vider le téléporteur de son monstre qui va nous embêter. On va pouvoir faire des choses comme ça. D'ailleurs, pas du tout. Faut plutôt que je mette le monstre dans une caisse comme ça. Pour être complètement sûr qu'il nous embête pas. Si on prend le téléporte, on va mettre les deux monstres ici. Et on va essayer de faire sortir Lynn de là. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir besoin de cette pièce-ci pour se téléporter. On va sans doute faire des allers-retours. Donc, on arrive ici. C'est pas téléporté. Et ensuite, on va remonter. Donc pas comme ça.
Faut absolument que j'évite d'aller dans cette pièce-ci. Sinon, je vais avoir le droit à un retour de manège. Réfléchis, Chobiti. On va faire ça comme ça. Je mets ce monstre aussi ici qui m'embête. Ce monstre-ci. Là. Et si je bouge cette pièce-là, ça va m'embêter. Je me suis coincé là en fait. On va pouvoir se décoincer. Et voilà. Ce qui nous permet de terminer le chapitre 8. On arrive donc au chapitre 9. Et c'est parti. Je vois que les humains vous ont fait beaucoup souffrir. Cependant, mon petit frère n'est qu'un enfant innocent. Mais lorsqu'il grandira, il ne sera pas différent des autres. Cependant, tous les humains sont stupides. Ils sont tous les mêmes. Les humains sont peut-être stupides, mais vous n'êtes pas différentes non plus. Parce que vous avez aimé un homme. Votre amour a peut-être été stupide, mais il était beau. Plus que tout, plus que ces paysages, c'était beau. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder mon petit frère mourir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, puissante renarde à neuf queues. Et la renarde à neuf queues nous boude, mais par contre on a droit à une imitatrice. Ce sera la dernière partie de l'épreuve. Alors, a priori on n'a pas de nouveau concept. On a toujours notre imitatrice. Et nos amis les monstres. Enfin amis. Devrait pouvoir s'en sortir. Sauf que là, je suis coincé en fait. Je vais se remonter. Ouais. Hop, c'est Lynn qu'on va chercher. Et voilà. Donc la première partie est faite. On va retourner ici. Et on va essayer de tout simplement pas se faire boulotter. Ça devrait être pas si compliqué que ça si on fait pas de bêtises. Le plus compliqué c'est ça. Et tout simplement l'amener dans une caisse comme ça. Comme ça. On est bon. Donc, on a une imitatrice et un monstre ici qui n'a pas de feu follet. Donc celui-là, on va vraiment pas pouvoir le bouger. Ok. Ah oui, c'est pas évident là. Parce que si je bouge là, je vais me faire bourloter ici. Et si je bouge là, je vais me faire bourloter là. Okay.
On va essayer de pas se faire boulotter. On va remonter ces monstres là. Je pense que je vais la laisser là. Je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, on est fusionné. Et puis, bah, ça n'a pas l'air très compliqué pour la sortie. Ok, donc là, on est uniquement sur des pièces qui ont un sens de navigation. Déplacement. On a un feu follet. Et personne pour le boulotter. On n'a pas d'imitatrice. Mais on va pouvoir se marrer un peu, je pense. Parce que... ici, on peut bouger comme ça. Et si je bouge comme ça, il faudrait que je... Ah oui, je peux pas me débarrasser de mon monstre. Puisque j'ai pas de casse comme ça pour venir me débarrasser de mon monstre. Comment je m'en débarrasse de ce monstre? Je m'en débarrasse peut-être pas. Hein. On va peut-être plutôt faire ça. Je peux bouger comme ça. Je peux aller ici. Je dois pouvoir mettre ce monstre là. Si quelque chose me dit que j'avais intérêt à avoir cette case. Où est-ce que je peux le mettre ensuite mon monstre? Je peux le mettre là. On fait avancer Lynn. Faudra un autre endroit pour mettre mon monstre. Je peux peut-être le remonter tout en haut. Donc, on remet l'île ici, on la fait passer là, et on est un peu dans un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Ce serait celle-ci. Est-ce que je peux la récupérer? Sans doute en faisant partir ce monstre là. Et on va pouvoir repartir. Bon, visiblement. Ah oui, on a oublié de faire repartir le feu follet. Je le voyais pas. On a fait quelques mouvements inutiles, mais on s'en est sorti. Ok, donc un parchemin, un monstre avec un feu follet, un téléporteur. Si c'était la chose à faire, en tout cas, ça fait le job. On va d'abord essayer d'attraper le parchemin.
Maintenant, comment je me débloque de cette situation? Il faut qu'elle aille là. Il faut qu'on éjecte le monstre. Sachant que je suis un peu coincé avec ces deux grosses pièces. Hein. Ouais, je pense que je me suis coincé avec le feu follet. Faudrait que je réussisse à l'amener sur une case comme ça. Je me galère un peu. Je pense même pas que ça soit faisable. Si je décale ça ici. Voilà, j'ai ramené le feu follet à un endroit, je dirais pas plus pratique, mais un peu. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir le faire aller dans l'autre sens. On va pouvoir reprendre le téléporteur. Et on va pouvoir l'éloigner. Enfin, en théorie, hein, parce que ça reste un peu compliqué la navigation. Avec ces grosses pièces. Donc, j'ai éloigné le monstre. Maintenant, il va falloir que Lynn puisse arriver dedans et quelque chose me dit que j'ai pas mis le monstre au bon endroit, puisque j'ai mes deux monstres qui sont là et que je vais me retrouver un peu coincé. Donc celui-ci peut aller là. Et ensuite on peut l'amener là. En fait c'est le chemin que Lynn devrait faire. Elle devrait arriver ici, puis là, et puis. Parce que du coup, il faut aussi qu'on l'éloigne encore un peu plus. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, faut juste réussir à faire que Lynn ne se fasse pas boulotter. Donc Lynn arrive par ici. Il faut maintenant qu'elle se téléporte sans se faire boulotter. Hein, parce que là, on est clairement sur de la complexité de boulotage. Et là, du coup, je vois pas parce que si je passe ici. Comment je me suis coincé moi encore? On va essayer de débloquer un peu la situation. Même si pour le coup ça débloque rien du tout en fait. Je vois absolument pas comment. Faire arriver là sans se faire boulotter ici. Oups. Puis je peux pas vraiment passer par en haut. Si on va essayer du coup. Retourne dedans. Hop. Je suis coincé. Est-ce que je peux me décoincer?
Voilà, je me suis décoincé. Donc Lynn a pris le téléporteur comme prévu. Maintenant, il faut juste réussir à la ramener par là. Et à ramener cette pièce-ci là où on veut qu'elle aille. Et voilà, un peu compliqué, mais c'est passé. Les autres esprits m'amenèrent jusqu'à la maison, alors que j'étais allongée par terre, blessée. Ma vie s'écoulait lentement. Mes amis ne pouvaient plus supporter de me voir torturée par les humains. Les esprits prirent une décision importante pour moi. Pour me sauver de la mort. Pour me protéger. En tout dernier recours, nous prîmes la décision d'entrer dans le livre en utilisant le pouvoir de l'orbe de Renan. Ensemble, nous pourrions vivre dans un monde fait de papier et de dessins. Mes amis et moi allions voyager dans le livre avec le pouvoir de l'orbe de Renard, afin que nous puissions vivre en paix sans nous soucier des humains. Pour m'assurer qu'aucune âme vivante ne puisse mettre la main sur nous et sur l'orbe, je crée un labyrinthe dans le livre. Sans humains, nous pourrions vivre comme avant. Et si jamais un humain arrivait jusque-là, les esprits jurèrent de me protéger. Le dernier jour, nous sommes entrés dans le livre, mon journal. Même ce jour-là, je crois qu'il pleuvait. Donc on a le fin monde sur le pourquoi du comment du livre. Plutôt intéressant. On se retrouve avec des téléporteurs de folie. Comme d'habitude, hein, téléporteur, c'est toujours un peu la folie. Donc, on peut faire ça. Il faudrait que je puisse prendre le téléporteur et donc arriver de l'autre côté. Alors, on va éloigner les monstres, même si c'est un peu compliqué de parler de éloigner dans le cas de ces téléporteurs de folie. Je vais mettre le monstre là en attendant, même si c'est pas le but. On se téléporte. Et on s'enfuit. Donc on est sur un tableau un peu plus grand, avec une imitatrice, des pièces de haut, des feux follets. Que du plaisir. C'est bien compliqué ces niveaux-là. Donc, on va essayer de fusionner l'imitatrice et la non-imitatrice. Pour ça, l'idée semble être de utiliser cette pièce-là qui peut uniquement monter et descendre. Sauf qu'il y a un feu follet. Et comment je fais partir ce feu follet? J'ai pas trop d'idées. On peut le faire partir si on fait partir cette pièce-là.
Sauf qu'elle peut pas remonter, bien évidemment. Donc elle peut pas aller ici. Oups. Je réfléchis, j'essaie de voir une solution pour qu'on puisse mettre une des deux lignes dans... idéalement celle qui peut bouger, hein, bien sûr. Dans cette pièce-ci... Mais je vois pas où est-ce qu'on peut déposer notre... notre feu follet en fait. Ah, forcément falloir bouger cette pièce là. Est-ce qu'on peut amener une des deux lignes à un endroit un peu safe. Cette pièce-là peut bouger comme elle veut. C'est pas un souci. Le souci étant plutôt de vider la case qui nous intéresse. Puis je pensais vider là, mais du coup avec le monstre, on peut... avec le mouvement, on peut pas. Est-ce que je peux l'amener à un endroit, le monstre ? Pas vraiment. Et le feu follet, je peux pas le faire boulotter tant que c'est fermé. Géline, il faut dégager le chemin ici. C'est pas simple cette histoire. Je pense que je vais réfléchir en off, puisque l'épisode a bien assez duré. On va s'arrêter là. En tout cas, moi, le jeu me plaît toujours autant. Je suis presque un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de nouveaux mécanismes qui se soient rajoutés pour ce chapitre-ci. Mais, en tout cas, les mécanismes sont déjà bien compliqués et bien variés. Avec le système de téléporteur, de pièces qui ne peuvent aller que dans un sens. Et cette imitatrice qui va nous embêter jusqu'au bout, hein, puisque c'est le principe de l'imitatrice. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé, et puis bye bye !